Et salut à tout le monde, ici Valonix et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le deuxième épée de Harvey Battles, l'épée de guérison, qui est dans le jeu Piggy. Le jeu ça s'appelle Piggy, mais j'en suis sûr tout le monde le connaît, tout le monde l'a joué, vu qu'il y a déjà 6,5 milliards de personnes qui l'ont joué. Et si vous ne saviez pas, Minitoon a mis les serveurs privés gratuits jusqu'au 7 décembre. Et moi j'en avais fait pour 100 Robux il y a quelques mois. Mais là comme c'est gratuit, je l'ai renouvelé, je vais rentrer dans le jeu. Voilà, vous devrez choisir le book 2 et après quand vous commencez, choisissez le chapitre 1. Et puis choisissez Traitor. Alors voilà, quand on commence le jeu, on doit partir vers la porte où il y a le code. Suivez-moi. Et vous devrez entrer le code 722. 722. Et puis vous retournez vers la spawn. Comme ça. Rentrez à l'intérieur. Et vous allez attendre pour le bouton de spawner. C'est une bouton violet, magenta. J'espère que le raton laveur ne va pas venir. Alors normalement, ça doit spawner pendant 7 minutes et 20 secondes. Mais parfois, si ça spawn pas, attendez jusqu'à 5 minutes. C'est pas grave. Et voilà les amis. Le bouton, on la clique tout de suite. Et après, ça, c'est où vous devrez faire très vite. Vous partez là-bas où il y a les codes. Je vais faire attention au rush. Il était là-bas. Vous cliquez sur le bouton rose au début. Et après, vous retournez là-bas où il y a le petit coin là-bas. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a un autre bouton. Et ça a activé. Bon, maintenant je peux partir vers Rush et il peut me tuer. Voilà, maintenant ce que vous devrez faire, c'est de choisir le chapitre 2. Et puis vous devrez choisir Infection. Et maintenant, quand vous commencez, vous devrez juste ouvrir des clés un peu partout. Parce qu'il y a des trucs cachés. Ici, vous allez avoir l'ours en peluche. Vous le touchez pas tout de suite. Maintenant, ce que ça nous intéresse, c'est d'ouvrir la porte bleue. Je ne vois pas où est-ce qu'ils ont mis la clé bleue. Ah, voilà. Voilà. Je pense que la clé verte doit être ici. Alors, je vais la prendre. Et alors je vais la porter ici où on va avoir la potion qui est cachée ici. Vous cliquez dessus comme ça et après quand vous retournez à côté du voiture vert, après vous pouvez cliquer sur l'ours en peluche. Après avoir fait ça, vous retournez et ouvrez la porte rouge. Tout d'abord, je dois ouvrir la clé orange. Et voici la clé rouge. Et puis vous allez voir un Game Boy caché sous cette chaise. Vous cliquez dessus. Et après, ce que vous devrez faire, c'est de mettre tous les articles ici. Voilà, ici on met le teddy bear. Après, je me souviens pas beaucoup où est-ce qu'on met le... Voilà, c'est ici qu'on met le potion. Après, quand vous venez là, vous allez mettre le Game Boy.
Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, après avoir fait ça, de toute façon, vous devrez utiliser le carotte. Voilà, Camponi, il va pousser le carotte. Vous allez venir ici et voir que le mur, il est un peu craqué. Alors ici, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser trois clés. La clé vert, violet et bleu. On doit aller la chercher. Ce qui peut être n'importe où. Je l'ai mis quelque part, je pense. Voilà. La clé bleue. Vous allez entendre des bruits. Ça, c'est un. Maintenant, je vais chercher la clé violet, ce qui doit être dans la salle des herbes. On va aller vérifier vite fait si c'est là-bas. Ou sinon, c'est autour du map. Et vous pouvez le trouver. Et voilà la clé violet. Et après, on va utiliser la clé verte. Voici. Vous allez retourner. Et utiliser votre deuxième clé sur la mur. On va aller chercher la clé verte. Et on va obtenir l'épée. Voilà, les amis, le moment est venu. Et voici le mur. Et comme vous pouvez voir, il y a l'épée rose. On va l'obtenir tout de suite. Vous voyez, on a gagné le badge. Et c'était tout ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Et on se verra dans la prochaine vidéo.